Le James Webb Space Telescope est un télescope de 6,50 m qui va être lancé en octobre 2018. C'est le programme phare de la NASA avec participation de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de l'Agence spatiale canadienne. Ce télescope est considéré comme le successeur du Hubble Space Telescope, en ce sens qu'il va pouvoir aller voir beaucoup plus loin et donc beaucoup plus tôt dans l'univers. On parle de voir la sortie de ce qui est appelé l'âge sombre, c'est-à-dire le moment où les premières étoiles s'allument et émettent de la lumière. Mais c'est un télescope qui sera un observatoire très généraliste. On observera aussi l'évolution des galaxies, la formation des étoiles et des planètes, et tout ce qui concerne les exoplanètes, sujet phare en ce qui nous concerne ici au CEA. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Donc une exoplanète, c'est une planète autour d'une autre étoile que notre Soleil. C'est un sujet jeune. La première exoplanète a été détectée il y a une vingtaine d'années. Et depuis, c'est un sujet en expansion très rapide. Plus de 2000 exoplanètes sont maintenant connues. Et cette chasse aux exoplanètes va continuer. Un certain nombre de projets comme Plateau, comme projets spatiaux, vont permettre de détecter de plus en plus d'exoplanètes jusqu'à des planètes Terre. Maintenant, avec le JWST, on va passer à une deuxième étape qui est la caractérisation de leur atmosphère. L'atmosphère, à partir d'observations spectroscopiques, peut révéler le type de composition chimique, peut révéler le type de climat, s'il y a des vents, s'il y a des choses comme ça. Et tout cela, le JWST va le permettre. Donc on attend beaucoup en termes de caractérisation, d'études de ces exoplanètes, du JWST. Et connaître la composition peut aussi nous permettre d'avoir des contraintes sur la formation de ces exoplanètes, le lieu où elles se sont formées dans le disque de poussière et de gaz initial où se forment les exoplanètes. Est-ce qu'elles ont été formées petit à petit avec un cœur, puis accrétion de gaz? Est-ce qu'elles ont été formées très rapidement par effondrement gravitationnel? Ce type de modèle pour la formation d'exoplanètes peut avoir des conséquences sur la composition de l'atmosphère, au moins des planètes géantes, et c'est ce qu'on va chercher avec le JWST. On va aussi étudier d'autres types d'exoplanètes que les planètes géantes, des exoplanètes de masse plus petite, jusqu'à des super-terres, pour essayer de voir s'ils ont une atmosphère primaire ou secondaire, c'est-à-dire une atmosphère qui a été modifiée dans le temps, comme celle de la Terre. Donc on s'attend vraiment à des découvertes très importantes dans le domaine des exoplanètes avec le JWST. Le JWST va être un fantastique observatoire, non seulement par la taille de son miroir, 6,50 m, mais aussi par le fait de travailler dans l'infrarouge, de détecter la lumière infrarouge. Donc l'univers dans l'infrarouge est très différent que dans le visible. On peut voir les objets très lointains, on peut voir les atmosphères d'exoplanètes. Donc pour détecter cette lumière, le JWST va être équipé de 4 instruments. 3 instruments dans le domaine infrarouge proche, qui vont permettre de faire des spectres et des images, et un instrument dans le domaine dit infrarouge moyen, qui va permettre aussi de faire des spectres et des images.